on a broken field. White crippled wings feed in the sky. The harbingers of war with their nature revealed, and our chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. Standing on a broken
chances flowing by. If I can let the memory heal, I will remember you with me on that field. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. When I thought that I fought without a cause, you gave me a reason to try. Turn the page, I need to see something new. For now my innocence is torn. We cannot linger on this stunted view, like rabid dogs of war. I will let the memory heal. I remember you with me on that field. Got my brittle bones to break the fall. When the loving letters fade, it's like moving in slow motion, and we're already too late if we arrive at all. And then we're caught up in the arms race, an involuntary addiction, and we're shedding every value out of mother's thoughts. So will you please show me your real face, draw the line in the, cause I only need your name to call the reasons why I fought. When I thought that I fought this war alone, you were there by my side on the front line. And we fought to believe. Oh, est-ce que j'ai du son? Oh, est-ce que j'ai du son? Bien, bien. Les premiers coups. Bien.
Alors, The Witcher. Ah, ça, c'est top. The Witcher, alors, 45 heures, déjà. 22% de succès. Il y en a un qui est en cours, là. Ah non, je l'ai fait, celui-là. Dandelion, c'est Jaskier. Dans la version originale, il s'appelle Dandelion. Ok. New subscriber. Ah, bonsoir Exuria, merci pour le resub. Merci beaucoup. Demain, on va faire un jeu découverte. Ça peut te plaire. Ça peut te plaire. Je mettrai le trailer si je trouve à la fin. Et c'est parti. Bon, t'as passé une bonne journée? Allez, go, démarre. J'ai dormi quand même, et puis bon, quand c'est The Witcher, tu vois, on sent la motivation différente. On sort de suite. Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié. J'adore ce jeu. Ah, j'ai la même intro que la semaine dernière. Continuez. Mais ce ne fut pas si simple. Geralt apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pègre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Geralt a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple. Geralt et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Ciri. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brigands, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où, je l'ignorais. Ah oui, on n'a toujours pas retrouvé. Et oui. Mais je pense qu'on va bientôt changer de zone. Autant nettoyer tout ça et puis. On est un peu à la ramasse niveau. Wint. Tu veux vraiment devenir un fournisseur de catin défraîchi et de vinasse? Et je suis. Hey, c'est tombé sur les bras, je n'ai pas choisi. Peut-être, mais tu peux choisir ce sa que tu gueule, hein. veux. Je sais, je sais. C'est justement pour ça que je pensais. Pensez, pensez. J'ai besoin de ce là à la bouche. Ah. Tu auras enfin décidé d'agir, fais-moi signe. Alors, au niveau des quêtes, on était où? Ouais, c'est barré, elle est pas contente. Hein. Alors, pas la Jaskier. Ben, on va continuer avec celle-là. On est bien là. Elle est pas contente. Hein. Le monde est vénal. Et je suis une fille. Je te ferais bien un prix pour récompenser ton héroïsme. Tu connais le patron. Tu n'as pas un peu passé l'âge de batifoler? Sérieux? Quel est le problème? Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre. T'imagines? Moi, un musicastre. Comment ça me plaire, cette Priscilla? Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve-lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret, vois-tu? Un coup de plâtre, un peu de peinture, et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un sou vaillant. Je n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en maraude, par hasard? On pourrait essayer de l'aider. C'est Jaskier, après tout. Comment puis-je t'aider? À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zericania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent.
Ça veut dire que tu as un entendu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Oh, merci Xuria pour le sub offert avec Xur. Merci beaucoup. Et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup. D'abord, il faudrait et bonsoir Arkasi, comment vas-tu? C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Noir quasi la forme. C'est la reprise demain. D'accord. Mais. Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan aux petits oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina. On se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Eh bien, ça va très bien, écoute. Ah bon? Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Ah bah ça, quand on sait pas donner, on peut pas recevoir. De quoi? Moi, je sais pas donner? Pour donner, faut avoir du talent. Et un petit et je le lis sur ta tronche. Les discours, les commentaires. Ouf. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Faut récupérer l'épée. Et à chaque fois que je joue à ce jeu, il flotte. Il a l'air drôlement suspect. Le vieux, mais je suis pas vieux. Fais gaffe. Ah, t'as eu un petit week-end? Comment ça se fait? Alors, il faut que je récupère une épée. J'ai pas vu la quête. Où est-ce qu'il y a la quête? Ici. Je regarde un peu. Bon, il veut se faire des thunes, Jaskier. Je sais pas ce que ça va être comme histoire encore. Comme on dit, un barbe doit avoir la langue. Foutre-tu! Ok. Irina, elle est là. Ah, contente de vous revoir. Ah, t'as eu examen hier samedi? Ah ouais. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh. Et que voulez-vous faire avec cette épée? Aucune idée, mais Jaskier prétend que c'est important. Oh, je vois. Je pensais bien que Maître Jaskier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence, au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. T'as fini un Trucolore? Ouais, il était pas très très long, hein. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé vraiment sympa. Et comme je te disais, demain on va faire un jeu, ça pourrait te plaire, Exuria. Je commence à connaître vos goûts. Il y avait un mec là, non? Ouais, il y en a un là-bas. Alors, retrouver Jaskier près de chez Sophronia après le crépuscule. Ah. Pas trop dans le temps. Il est assez. Combien de temps j'ai mis? Je sais plus. Il était un peu moins long, ouais. J'ai l'impression aussi, en fait. J'ai une prime pour travailler par ce grand chien. Ah si, c'est bon. Bon, je pensais pas trop bon moment. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure.
Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Oh, putain, ça... Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, c'est ça? Je savais que tu marcherais. Ah ouais, mais ça, c'est le personnage et tout, le jeu est fantastique. C'est ça ton plan? Ouais, bon, ok. C'est ça ton plan génial. Tu plaisantes, j'espère. Je n'ai jamais dit que c'était génial, mais c'est mieux que rien. J'ai déjà écrit ton texte. Tu as écrit quoi? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite! Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym et romarin. Thym et romarin. C'est là. Halte là. Qui êtes-vous? À l'aide! Au secours! Tremblez, blonde jouvence. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jasquier? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Oula. Je dirais plutôt le connard pourpre. Non. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Combattez le vengeur pourpre. Ok. Hop là. Hop là. Hop. Par le feu éternel, que voulez-vous? Laissez-nous tranquille! Ce malandrin sera bientôt parti, sois-en sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas? Bon, ça a marché. Alors, retrouvez Jasquier. Bon, Erkazi, tu finis l'année à quel moment? Juin? Ah ouais, tu sais pas du tout. Oula. C'est eux là? Oh, c'est mieux frotter ça. Allez. Bah ouais. C'est fait. Ah, la chimie. Ah. Bon, maintenant, on a les sous de la bouffe. C'est une espèce de manteau là. Il bouge bizarre ce soir. Il est bizarrement foutu. On dirait qu'il est, bugué, il est coincé. Ouais, il est coincé. Un type vulgaire. Je le lis sur ta moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa queue ramollie. Ah bah ça. Oh.
commence encore. Qu'est-ce qu'il a à dire à Zoltan? Non, pas Gwent, vu la bande qu'il a mis. Content d'avoir vu Zoltan. À la prochaine. Ah oui, non mais ici c'est... Tu t'habilles toujours aussi près du corps. Ow! Débrouille-toi tout seul. Tu n'as pas un peu passé l'âge de batifoler? Miaou. Alors c'est comme voilà. On va attendre le matin alors. Pas ça du tout. Éditer. Je coupe petit matin, miaou. Jaski qui est revenu. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là, et Megan ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jaskier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué, Jaskier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration. Quels sont les choix? Maître Jaskier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir, oui ou merde? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jaskier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Je sais pas, moi. Le style boudoir est mieux adapté à un cabaret. Un cabaret, c'est comme un théâtre. Un décor théâtral, c'est le mieux. Alors, on fait quoi? Théâtral ou cabaret? Cabaret? Eh oui. Alors du coup, décor théâtral et de style boudoir. J'avais choisi quoi, moi, dans ma précédente game? Je sais plus. Oh, bon, on va suivre Exuria. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin. Allez, assez flémardé les gars, au boulot. Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui, Jaskier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action, et si vite en plus. Jaskier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret, il eût cru. Contrairement à ce qu'on pense, Jaskier est un homme très rationnel. Ouais, pas... Vous parlez bien du Jaskier capable de perdre une fortune colossale en une nuit? Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps, et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jaskier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Xbox One, Elden Ring. Bonne question. Moi, je... Je pense que oui, parce que c'est optimisé quand même. Après, c'est sûr que c'est... Je l'ai pas fait tourner encore sur PC, il faudrait que je le teste sur PC pour un peu. Après, je pense que c'est optimisé quand même. Ah mais Jaskier est parvenu. Ah, ce sera moins beau que ce que tu vois sur PC, oui. Tiens, tiens,
Encore une heure. Je pense. Les nichons d'un spectre de midi, c'est encore plus lourd. Mais il est parti où, Jasky? Il est parvenu. Hé, mon mignon. Je dois faire quoi pour avoir... Ça sera certainement peut-être moins... moins fluide, je sais pas. Moi, je pense que c'est quand même optimisé, même si ça sera moins beau. Mais vu que sur il a vous avez pas de PC qui peut le faire tourner? Ah oui, là. Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Attends, qu'est-ce que tu fais ici? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de pareils butors? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends! Pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. D'accord, cherchons la clé. Ah, le tien, il est un peu... Il commence à prendre de l'âge, hein. Bon sang, moi t'as bien pu... Ici, il y a une pierre. Non, elle n'est pas ici. Il y a le pot, j'ai vu un pot, là. Pas ici. Et ici, il y a le seau. Si, ah, je l'ai. On ouvre la porte. C'est quoi ce bordel? Déguerpissez de chez moi! Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi? Mais c'est ma fiancée! Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Pour moi, c'est bien optimisé, hein. C'est bon. Explication, tu peux te les foutre au cul. Dégagez, sinon je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. Ah, super punk, c'était catastrophique. Écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du timbre. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, c'est excellent. C'est excellent. Vous voulez dire... C'est lequel que tu fais? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ça, c'est fait. Ah, ça s'est pas trop mal passé, finalement. T'es bien débrouillé, Jasky. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudit. Lors d'une négociation comme lors d'un combat,
La clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubu est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Ouais, on va s'occuper des affiches. Laisse-moi parler à Rotlek. Ouais, Borderlands, moi j'ai adoré. Sinon, Priscilla va marcher. C'est vraiment top. Vraiment ? Tu ferais ça ? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Il est sec, Gérald. Très très sec. Hein. Bon, après, je pense qu'on on fera une chasse aux monstres après. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu narratif. Une chasse aux fantômes, aux monstres. Pour ce qu'on a en stock. Au début sur Borderlands j'étais pas convaincu parce que les graphismes en cel shading c'est pas trop mon truc. Mais il faut avouer qu'une fois que t'es dedans, ce que j'ai beaucoup aimé c'est de pouvoir modifier les armes avec des dots. J'ai vraiment trouvé top quoi. Alors. Oula. Oula. C'est pas Rotlek ça. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit Alflin doit de l'argent à la moitié de la ville. Tu es venu me servir avant que les charognards débarquent. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Prends ce que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd ? Tout ça est à moi maintenant. Faire mettre ailleurs, sale mutant. J'ai voulu être gentil. Et moi qui pensais régler ça. Ah ouais, j'ai voulu être gentil, mais là. Eh, tu te calmes de suite. Hein. Je peux pas esquiver, j'étais contre le mur. Putain, mais c'est exigu, c'est compliqué. Là. Je suis champion de Novigrad. Mais merde, tu veux quoi à la fin? Des affiches. Y a pas d'affiches ici, putain. Et Rotlek, où est-il? Au domaine Wegelboot, comme d'habitude. En train de perdre tout son or aux courses. Ouh, ça sent une course de canasson, ça. Bah voilà. Il suffisait de le dire tout de suite. Ok. Il cache quelque chose, je lui attends. Il y a un coffre. Hein. Ouh, ou améthyste. Attends, j'ai pas pu cibler le reste. Il est pour le mouton, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Fiole. Ouais. Des compos. Ouais. Ok. On va voir en haut ce qu'il y a. De la vinasse. À manger quand même un peu. Oh, toutes les bières que j'ai. Alors ça peut soigner, par contre faut pas en abuser quand même parce que... Ah ouais mais c'est pas à côté l'histoire là. Waouh waouh waouh. C'est loin l'histoire là. Faut que je trouve une téléporte là. Hop. Ouais, il y a des coursons. Hein.
Il est où mon panneau? Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Ah oui, c'est pas à côté quand même. Ok. Je pense qu'il risque d'avoir des courses là. Je croyais avoir fini, mais non. Pour gagner du stuff pour le cheval. C'est là-bas. Qui est là. C'est vous, Rotlek? Henri Rotlek, artiste, peintre, traiteur sur gage et marqueur artistique, pour vous servir. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroucés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous comprenez mon problème. Le comte de Louverten m'offre une chance de me refaire. Ouais. Sur la prochaine course. Je l'ai senti arriver celle-là. Alors où est le problème? Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. On va tenter de gagner la course. On aurait pu payer pour être tranquille, mais je vais essayer de la faire. Écoutez, je vais m'inscrire à la course. Pariez sur moi. Remboursez vos dettes et ensuite vous pourrez me donner les affiches. Vous êtes bon cavalier. Je me débrouille. Allez dire au comte que vous acceptez son offre. Oh, c'est qui tout double les courses, hein? On démarre à fond. Bien gérer son effort, c'est ça surtout. Voilà, il relâche. Voilà, on va le garder à vue. C'est accélérer un peu. Lâcher. Faut le surveiller parce que c'est assez tactique l'histoire là. C'est un peu comme les jeux de Tour de France. Un, deux. Okay. Le cheval, j'ai le cheval qui avance bien, j'ai déjà du stuff dessus. Accélérer là. Ah, il accélère aussi, je me suis fait avoir là, en tournant. Ah, je me suis fait avoir. Ah, il m'a eu. Oh, je l'ai eu juste. Je l'ai repris par l'extérieur. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité. Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les affiches maintenant? Oui. Je les apporterai aux Thym et Romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. À plus tard. C'est Ablette là-bas? Yeah, Ablette elle est là. Mais ça parle tellement, tu comprends rien. Où est-ce qu'il est le panneau? Je sais plus. En fait, il faut bien gérer son effort. Mais c'est faisable. Mais ça m'arrive de me faire avoir. Là, tu vois, j'ai ralenti un peu trop tôt. Et du coup, il m'a dépassé. Il était à... Il a failli me dépasser juste avant et je le double vraiment. Ça joue un cheveu quoi. Alors Jasquier. Hop. Bon, on fait une chasse au monstre parce que c'est sympa, mais bon.
Alors. Putain, gros marin. Oh, ça a changé déjà. Ah ouais. Ça a vachement changé. J'ai pas lu. Il y a un nom. Caméléon. Ok. Bon. Si on commence en sol majeur. Oh, non, ça ne va pas du tout. C'est un morceau triste, mélancolique. Il faut c'est pas mal, hein. Tout gâché. Il y a des pioles, hein. Un grenier. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? Fruits secs. Oh. Une porte. Il s'est fait plaisir le mec, hein. J'ai des framboises. Ah ouais. Mais c'est pas là. Bateau. Bon, on va aller voir Jasquier. Pas mal son truc, il a bien retapé là. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'était un bon choix le théâtre. C'est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches? Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait, c'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Il va y avoir une fiesta. Pour l'inauguration. C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça. Allez. Pourquoi pas? À ta santé. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et elle a dit quelque chose sur moi? Pour pur. Non, elle a plutôt mon avis. Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc? Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu plaisantes? Non, pas cette fois. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent? Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures! Tu veux dire que... tu n'as pas... Tu es fou. Pour qui me prends-tu? D'accord, ok. Elle est en retard. Mais c'est pourtant l'importance que cette soirée est pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Les choses-là prennent du temps. Ah, c'est donc vrai. La vanité des femmes est sans limite aucune. Maître Jasquier, c'est Priscilla. Elle est... Quoi? Accouche donc. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à l'hôpital de Vilmerius. Agressée? Elle est blessée. Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Il me semblait que... Par les dieux. Priscilla. Qu'est-ce qu'elle a eu? Va-t-elle s'en sortir? Assurément, oui. Son état est critique, mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté? Apparenté? Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef.
Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'académie de... Là, ça va chier, là. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures? Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ouh, la vache. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé, doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous? J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas? Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte? À Novigrad, seuls les innocents vont au bûcher. Geralt. Je sais que je te suis mille fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jaskier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Ok, bon, mais... Pensez qu'on me laissera accéder à la morgue? Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts? Vous y passez souvent, docteur? Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt? Ah oui. Ça, on va pas laisser traîner ça. Prêt et intrigué. J'aurai celui qui a fait ça, Jaskier, même s'il s'agit du hiérarque Emelfart en personne. Merci. Oh la vache, ce qu'elle a ramassé. Passez devant. Là, ça va être... ouais. C'est ça qui est bien dans The Witcher, c'est que même les quêtes secondaires, elles sont super bien écrites. De quoi s'agit-il? Eh bien, recoudre la victime d'un noyeur est très pénible. Mieux vaut résoudre le problème à la racine, non? J'ai tenté d'envoyer la garde du temple aux égouts. Sans suite, vous avez entendu. Depuis un bon moment, dégainez votre arme. Ouais, il y a du monde. Il y a quoi là? Qu'est-ce qu'il a comme arme? L'arbalète. Il y en a deux. Ouh, mais ils sont excités ce soir. Bon, il y en a un autre ici. Ouh, il est bizarre celui-là. C'est une gueule de... Ouais. Ça c'est pénible. Ah, j'ai le feu qui est un peu efficace quand même. Hop les cames. Ouh, mais c'est mon colline quand même. Un petit morceau. Re Exuria. Tire comme ça lui. Qu'est-ce qu'il a vu? Ah oui, là-bas. Là, mais t'es trop loin, papy. Allez, moi aussi, je trouve. Oh, wesh. Les copains. Tu veux un peu d'arbalète? Oh,
joli lui. Hop les. Hop les. Joli. Scylla, quel est son humain? Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barde. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède. Ils sont, oui. Je crois que seul votre ami Jaskier soit en mesure de l'aider. Ils ont des réactions un peu imprévisibles, c'est vrai. Alors, on y voit rien, non? Je pense qu'on est à la fin. Grimper à l'échelle. Ok. Qui? Nous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi? Vous êtes attendu? Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Nathaniel Bastoni. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un menuisier là. Au travail. Tu l'avais fini, Arkasi, le jeu? Alors. Alors là, la diff, je sais pas si t'avais fait les extensions, mais c'est, on va faire les extensions. Bon, il est où le corps, hein? Ah, il est là. Non, ça change pas. Ouais, c'est lui. Le bleu et le rouge. Oui, c'est ça. Ah, mais il y en a plusieurs, là. Ok. On va laisser celui-là. C'est une femme. Mauvaise pioche. Tac. Apparemment, celui-ci est tombé sur des nécrophages. Continuons à chercher. Ouais, t'as deux extensions. Tu as Blood and Vine, tu vois, niveau 34. Et le bleu, ouais, c'est Earth of Stone. Ah oui, c'est sûr que oui. Ouais, moi je les avais pas fait lors de mon premier run. Donc je vais les faire. Hein. Du coup, j'ai tout refait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ah, il y a des corps ici aussi. Ouais. Ça, c'est un nain, non? Ça doit être lui. Ouais. C'est une naine. Chez les nains, la barbe n'est pas qu'un apanage, ma soeur. Continuons à chercher. Ah, c'est une naine, hein? Un nain. Mais ses mains, ce ne sont pas celles d'un menuisier, plutôt d'un banquier. Continue. Ah, c'est lui, je trouve. Main calleuse, sueur dans la barbe, vêtements tachés de résine. On tient le bon nom. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose. Pas vraiment. Commencez l'autopsie. Par quoi? La tête. Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe? Les yeux arrachés, par exemple? Ce sont bien des traces de brûlures dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, oh. Puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Oh. C'est un grand malade. Inspectons la bouche. Brûlure. Oh la blanc. Vache. Comme pour Priscilla. Larynx est tranché. Vous voyez cette incision dans le larynx? En effet, extrêmement fine, presque invisible. Faite par un petit instrument très affûté. Un scalpel? Mais pourquoi? La plaie est trop petite pour saigner.
Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie. C'est un boucher, le bordel. Hein. Examinons son torse. Qu'avons-nous là? Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Et cicatrice au niveau de l'estomac. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur, puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Qu'il va trouver. Un insecte. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez. Ni boursouflure, ni contusion. C'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. On va lui faire ouvrir le bide. Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis. Ça risque de sentir la charogne. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol. Une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Je sais pas qui c'est, mais... Les merdes. Regardez ses mains. Ses traces. Causées par une corde, non? On l'a attaché. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience? Oui, en tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Tretogor. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce durillon? Notre ami nain portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Les jambes et... Chose intéressant sur les jambes. Le service trois pièces. Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser. Avant de casser sa pipe. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nos autres chirurgiens... Jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra. On sait jamais. On verra bien. Baissez son pantalon. Peste. Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... Uniquement au niveau du mobile du tueur. D'accord. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer, alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin? J'ai l'impression que c'est plus le châtiment. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Arkasi et Exuria. Rituel, je suppose. Pas sûr, j'ai l'impression que c'est l'intuition que c'est un châtiment. Après, je peux peut-être me tromper. Hein. C'est quand même assez un rituel aussi. Je sais pas, j'hésite. Plus un châtiment, j'ai l'impression. Je suis sûr d'une chose. C'était un châtiment. Même les chasseurs de sorcières n'infligent pas pareille torture. Quel péché pourrait mériter ça? Seul notre assassin le sait. Et telle est la clé pour le ou la trouver. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom? Fabian Meyer. Oups. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste.
Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà fait, Joachim. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce ? Un étudiant, en formation continue. J'aurais quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel fait son inspection. Il sera ici sous peu. Alors. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé ? C'est important. On mène son enquête ? Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barde. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler. Je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens ? Je croyais avoir été clair. Personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre et sortir par une autre issue. Ça va, je pensais qu'on allait se faire plus... Pourquoi nous avoir couvert ? Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim ? Comme d'habitude. Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Merci. Je sais pas comment faire pour retrouver. Hein. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. Comme vous voudrez. Merci. Je n'ai rien à cacher. Juste une vieille blessure, pas encore refermée. Et maintenant, que comptez-vous faire ? Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres, l'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner, mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Bon, ben... Je sais pas comment, mais il va falloir le trouver. Il y a trois pistes. Donc, inspecter la ruelle. N'importe quoi. Barre ta porte, regarde ça. Pas les femmes. C'est là que ça se passe. C'est vous, Eustache ? Le ramasseur de cadavres ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort. Fabian ? Ah oui, j'en sais. Plus Dieu, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Un de ceux-là. Il y a eu d'autres cadavres similaires. Et comment ? Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grosse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Truie qui glisse qu'on l'appelait, rapport. Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux ? Comment ça ? Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc ? Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Truc qui glisse. Vous avez fouillé le corps de Fabian ? Ma foi, oui, jeter un œil dans ses poches histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat, vous détroussez les cadavres. Moi j'appelle un con, occupe-toi de tes oignons. T'es quoi, percepteur ? Du balai mutant. Oh. Ah ben je suis obligé de faire un petit coup de mesmer. Hein. Bah, qu'as-tu trouvé sur lui ? D'accord. À vos ordres. Des bricoles, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces, et une lettre. Tiens, regarde.
du vélin. C'est de la qualité, ça. Je gratte ce qu'il y a dessus et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse Pransala ? Y a pénurie de ribaudes dans la ville ? Je vais en mettre une. Tiens. Aïe, putain, merde ! Pourquoi tu me tapes ? Pour l'ensemble de ton œuvre. Bonne nuit, Arkasi, merci d'être passé. Et bon courage à toi pour le début de semaine. Et à bientôt. Ciao, ciao. Oh, je suis obligé de lui en mettre une, là. Ça va. Interdiction de vagabonder ici. Je pensais que ça allait être pépère, cette quête, là, que ça allait être... Tu vois, les petites quêtes avec Jaskier, gentillette, quoi. Et en fait, ça a tourné, tu vois, c'est... Ouais, c'est prenant. Comment j'y vais, moi, là? Comment je m'y rends, là? Ah, ici. Il y a quelqu'un? Foutez le camp, ou je lâche les chiens. Order, Strige, ici. Toudou. C'est au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors, assis, maudit corneau, couché. Entrez, en douceur, hein, qu'il vous morde pas. Et vous êtes qui, au juste? Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, chez Meyer et Meyer. Son frère. Ouais. Non, ils sont énormes, les chiens. Maintenant, c'est juste chez Meyer. Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam, près des miens. En face de le reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Fabien? S'il avait des ennemis, mais je pense pas. Votre frère avait des ennemis? Des gens à qui il déplaisait, qui l'auraient menacé? Non. C'est plutôt Fabien qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu, où je pense. Dès qu'on avait 3 sous de côté, je lui disais... Achetons des outils, du bois de qualité, tu parles. Il empoignait le magot et fonçait courir la gueuse. Il s'est mis à en harceler une. C'est toute ta faute, salope, serpillière humaine, qui lui balançait entre autres vacheries. J'ai jamais trop su pourquoi. Peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillière? Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre, d'après son souteneur. Ok, bon, mais c'est pas... Dites-moi ce que vous savez du meurtre, dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Ochsenfurt, quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis bon sang. J'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie? C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabien juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins? Ils ont remarqué quelque chose de louche? Entendu des choses? Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils n'auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulaine. Alors un nain, ça intéresse qui? Bon, c'était pas très fructueux. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème, mais faites gaffe aux chiens. C'est pas très concluant, hein. Ah, ici, il y a un truc. Si mes feux... Ouh là là là. Je me demande si ça se trouve c'est l'autre, c'est le prêtre là, qui est venu nous déranger à la morgue.
vous pensiez. Des statues des anciens dieux. Des femmes. Bien Gironde. C'est quoi ça? On a traîné quelque chose au sol. Traîné d'un mur à l'autre, à répétition. Vous permettez que je visite l'atelier? J'y ai pas été depuis... Depuis qu'ils ont trouvé Fabian. N'importe quoi. Et si vous écoutez, je vous le... Celui qui a fait ça, c'est vraiment un enculé. Ah ouais. Il m'a poussé. Ah. Où il y a des trucs ici. Sort des taches de sang. Mais pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. Où il y a une effluve là. À moins que. Du formol. Rien à faire chez un menuisier. Chaise. Des meubles renversés. Celui-ci semble avoir pris un coup de pied. Bon. On a tout fait. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Ok. Il y avait un truc ici en plus. De la graisse d'ours. Non merci. Allez hop, on est parti. Inspecter la ruelle où Priscilla a été agressée là de vos sens de sorceleur. Hé, hey, sorceleur, le légiste veut vous voir. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte et de vous grouiller. Ouais, je vais visiter ça d'abord là. Salut, beau gosse. Tu fais mieux de rentrer chez toi, toi. Hop là. Un bras zéro, en cette saison. Le sang de Priscilla. Hey, Franjuine. C'est lui. Comment je saurais? Surveillez-le. Regardez ce qu'il fait. Bien fou. Encore le truc du feu éternel là, hein. C'est encore un. Oh, puis j'ai le comité d'accueil. Ah, d'accord. Bagarre. Pourquoi il va me taper? J'ai fait. Citoyen pauvre. Ouch. Ah ouais, mais à 3, les gars. Hop là. Hop là. Hop là. Je l'ai pas vu arriver celle-là. Mais... Tu me laisses enfermer là. De moins. Alors là, mon gaillard. Allez, on va essayer de le contrer. Yes. Hop là. Tu veux m'étriper, moi aussi, hein? Tu vas payer, Fallo. Les catins savent se défendre. Ha! Du calme. Je ne vous veux aucun mal. Qu'est-ce que ça veut dire, Fallo? Percez vengeance. Quoi? C'est la sœur d'Olivier Véran, je pense. L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler? Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices.
et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand-chose pour vous. La déformation du palais. Mais je vais vous dire ce que je sais. Vous êtes amie avec Priscilla ? Amie, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Ce comptait laisser tomber le tapin, trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour lessiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur, rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les planches, vous imaginez? Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolée de l'apprendre. Bon, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Suivi la siffleuse. Vous le savez? Mon pauvre fou. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiant, fille des rues, orphelin. Mais qui ça intéresse, hein? Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom? Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. C'est pas fameux. Prenez soin de vous. Je dois continuer à fouiller les parages. Merci de ne pas me déranger. Entendu, on va se tenir tranquille. Mais prévenez-nous si vous trouvez autre chose. Oh, la tête me tourne. Ah bah oui, vous avez pris une branlée. Il y a des bons verres, hein. Punaise. Alors, qu'est-ce que je peux trouver de plus? Il y a des effluves. Il y a des effluves. Un bras zéro, en cette saison. Un problème. Un bras zéro, en cette saison. Je connais cette odeur. Formol. C'est du formol. Il reste encore un truc, hein. Une hop, trace là. De pas d'homme. D'être le tueur. Tout le poids sur le talon. Il a reculé. Il a reculé. Gaffe à toi, Dublin. Me dégrade ses mots, toi. Les caisses là. Oh, que de la vinasse ce soir. J'ai que de ça, quoi. C'est... Alors, allez parler au légiste. Il est du nouveau peut-être. J'ai un vrai tombeur. Ouais. Va voir Suzy. Sorceleur. Je sais qu'il y a plus de. Ils vont le coup. Chasser la nuit est presque tombée. Encore une lettre. Le tueur, ça. Alors, le légiste, qu'est-ce qu'il va me dire? Bienvenue. Ah, poli, lui. Il y a tout ramassé encore. Non. Ici. Oh, de la flotte. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Gérald, c'est ça? Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Ah voilà, le révérend. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Tiens, les mouches et tout, je c'est... Je me fais un plaisir de vous aider dans votre... Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Salut, Dito!
Comment vas-tu? De retour, je m'en doute. En plus, j'ai senti. J'ai dit, ça va être ce soir. Le retour. Eh bien, écoute, comment se sont passées tes vacances? Commençons. Avec joie. L'issue conforme au modus operandi de l'assassin, la victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. C'est une dame? Non, c'est un monsieur. L'assassin l'a énucléé. C'est une dame. A placé des braises dans monsieur. Ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est-ce que c'est ? Un parchemin ? En peau humaine ? Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Vegelbud. Vous la connaissez ? Oui. Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je pars la voir immédiatement. Le fond vert, ouais, on a changé parce que c'était pas tout le temps efficace. Et je trouve que la caméra, c'est... C'est plus simple, plus net. Du coup, Dito, t'es de retour à Amityville, alors. Ça va faire bizarre, hein. Alors, c'est quel level, ça? Parce que je veux bien, moi, mais... Niveau 16, péché, elle est longue, cette quête, hein. Ah, de 31 à 3. Oula. Oula. Il faut que je trouve un truc pour me téléporter. Bah écoute, nous on a fait des jeux. On a fait des bons petits jeux. On a une semaine où on a fait que des bons jeux et un bon jeu d'horreur aussi. Sur deux jeudis. Et puis voilà quoi. Hein. Hier on avait Chatoun. Ils m'ont fait re-signer pour FF14. Enfin, surtout Chatoun. En me disant que moi, une cinématique, on s'est tapé 2 heures de cinématique, même Bad, il n'en pouvait plus. PC de Chatoun, c'est coup-ci comme coup ça. Hein. Je pense que. Ah, j'ai le petit panneau qui va m'amener. Il faut que j'arrive avant qu'elle se fasse tuer. Oui. Là, on est sur la piste d'un serial killer. Commet des crimes particulièrement atroces. Il mutile ses victimes. Rentrer, faut que j'y parle. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je parle à Patricia Vegelbud. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça? Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon, d'accord. Je t'emmène voir Dame Vegelbud, mais pas de vague. C'est compris? Ouais, parce qu'en fait, le tueur, il met le nom de sa prochaine victime sur le corps. Donc on sait que c'est elle, la prochaine. Gérald, quelle délicieuse surprise. Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère. Sa vie est en danger. En danger? Alors, j'ai vu mère ce matin même. Elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Encore incapable. Oui, parce que... C'est des blagounettes sur les nains parce que c'était la première victime. Donc Exuria est très très très... elle trouve à chaque fois le mot qu'il faut. Je pourchasse un tueur en série. Tout me porte à croire que votre mère est sa prochaine victime. En admettant que ce soit vrai,
nos gardes. Il tue avec une extrême cruauté. Il torture ses victimes et en extrait leur cœur. Allons voir ce qu'il en est, par acquis de conscience. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Voilà un feu digne de Belle Éden, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, souvenez-vous. En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. Ah ouais ? Nous séjournions à Novigrad, mère a vu les bûchers sur la place du Hiérarque et n'a pas pipé mot sur le chemin du tour. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, ainsi reliqués. Putain, loupé, Suzette, la siffleuse, Lido. Dépêchons-nous. Qu'est-ce qui se passe là ? Elle est où la mère ? Oui. Et c'est une prostituée qu'on a croisée qui avait les dents un peu limées. Pour faire court. Fils fait du trafic de fistec. Vous entendez ? Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons. Pour en avoir le cœur net. Quel acquis vous faites ? Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Ou je crains un pire. Ah, trop tard. Il s'est enfui par l'autre issue. Oh putain, il est attaché. On est arrivé, il est en train de la tuer. Putain, je le tire. Oh, des chiens. Faut que je passe. Péchon. Mais c'est pas moi! Oh putain! Ils me prennent pour le tueur! Je te jure! Ah, aïe! En plus, ils sont costauds, les mecs! Ils sont lourds de. Wesh! Un bouclier, bien sûr! Putain, vache, quel accueil. Eh, mamie, il est en train de se faire charcuter, je crois. Halte, ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Oh putain, on a perdu un temps. Entendu, l'assassin est déjà loin. Passe devant, Héron. Oh, quelle bande de ploucs. On l'a eu, Damien Grigg. Non sans mal, mais... Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses, mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons, et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite. Oh putain. Mère, pourquoi lui avoir fait ça? Pourquoi? Je pense que c'est ça. Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais d'ordinaire, l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je ? Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Elle est trop tard et c'est plouc, là. Il l'a attaché. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Ouf. Ekimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Netty la douce. J'ai quatre l'estropié. Une s'enhardit. Le lieu en plus du nom maintenant.
Cette fois, il ne s'en tirera pas. Ah mais c'est ça, c'est un taré. Oh là là, cauchemar. Les mêmes blessures que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropié, vite. Ah mais mamie, ouais, c'est pas joli, joli. Oh, sucrerie, oh. Ravioles. Ah là là, dur, dur. Ouais, j'avais prévenu, mais on m'a pas écouté. Une tasse. Super. 1270. Attends. Et alors, ces gardes à quoi? Quelle bande de tanches. De tanches. Une pomme. Ma mitraillette. On va le choper, on va le choper. Je vais le couper en morceaux, lui. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son souffle. Un chasseur sachant chasser. Oh, salut chez Toon. Alors, aux chaises troupiers. Ah, c'est pas à côté. Chez Catless troupiers, pardon. Qu'est-ce qu'on a de plus près là, ici? Tu as du sang elfe. Tiens-toi un carreau, vermine. J'en ai marre. J'ai pas de sang. Sauvez-moi. Une sorcière. Je vais mourir. Je fais des baumes. J'aimerais que mon âme ait pas de sang. Je pourrais tuer des monstres. Allez trouver un médecin. J'ai la tête. Alors la pince. Je vais l'aventure. Je puis faire pour. Ah, mais quatre estropiés. Quatre l'estropier, c'est le bordel. Oh, c'est pas le bordel. C'est où ce truc? C'est là. Salut Bad, comment vas-tu? Je pensais plutôt à nous deux et toi. Ah d'accord. C'est un carquois qu'on parle dans. Mais vu dans quel état vous êtes, faudra d'abord vous la secouer mutuellement. Tu crois que c'est elle? Tu t'habilles toujours aussi près du corps? Oh. C'est encore plus haut. Je savais que c'était lui. Tu vois, c'était le révérend. J'en connais un, en revanche, et toute la ville va entendre sous peu. Encore à me déranger. J'ai horreur d'être dérangé. J'allais m'amuser avec Nettie la douce, la rendre un peu plus rugueuse. Mais je vais d'abord m'occuper de toi. Et c'est ton enfoiré. Ça va chier là.
Ouh, il a un tisonnier. Ah non mais attends. Ça c'est du feu. Ouh, il est costaud lui. Allez. Alors, allez, foi. Tiens, un petit contre dans les dents. Et ouais. Et ouais. Tiens. Salut. Un tison il avait. Cet enfoiré. Ouais, c'est des trucs à ramasser, tu perds. Péché charnel. Ah ouais, non mais c'était... Attention, hein. Ah, il y a une pipe. Je l'ai libéré. Tu es libre. Merci. Merci. Pour vous. Il a demandé si je faisais tout. J'ai répondu, si tu as les moyens... Bien sûr. Là, il a souri. Dieu que j'ai eu peur. Il m'a frappé si fort que je suis tombée dans les pommes. En revenant à moi, j'étais attachée. Et lui faisait chauffer un tisonnier. Du calme. Il ne te fera plus de mal. Il ne fera plus de mal à personne. Un sacré plaie quand même. Bon, après l'effort, le réconfort, on est d'accord. Bon, il a juste un tisonnier, lui. Elle est où la porte? Ici. Attends, mais comment on descend de ce foutoir là? Je me suis perdu. Ah, c'est ici. Qui frétille ? La queue qui frétille. Tu mords, mon loup ? Alors, elle est où la patronne ? Ah, c'est la dédicace à Chatoun. Hein. Alors, le rude guerrier a soudain une poussée de désir. J'aimerais un peu d'intimité avec l'une de vos pensionnaires. D'accord, mais ne faites pas le difficile. Si vous n'aimez pas la première qui se présente, ce sera plus cher. On fait ça ici ou chez moi. À toi de voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, Bertha. Bertha, j'espère qu'elle a pas un canon. Je le sens. Allez, va pour Bertha. Ma sœur m'a dit qu'un sorceleur était en ville. La sœur disait vrai. T'as envie de moi, oui? Bien pièce, c'est tout. Tu me plais. J'aimerais passer la nuit avec toi. Elle est pas là, Suzy. Voilà, attention. T'as lui la cicatrice aussi. Ce moment où on dégrafe ça, c'est assez compressé. Je m'inquiète avec ce talon. En fait, c'est souvent le même plan qui revient. J'en ai vu un que j'avais déjà vu. Et c'est rapide, Gérald.
C'est rapide. C'est la chose. Hé ! Difficile à dire. Pourquoi tant de hâte ? Non. Je te ferais bien un prix pour récompenser ton héroïsme, mais... 12 secondes. Tu connais non. Quelle prestation divine ! Quelle prestation divine en 12 secondes ! Ah, il y a des corps partout maintenant, je peux aller les voir toutes. Ça n'y était pas ça avant, ça a débloqué. J'avais pas les cœurs sur la boussole comme ça. Parce qu'en fait je poursuivais le tueur là. Et du coup Ah, une quête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la méthode rapide, ouais. La méthode très rapide et la méthode. Putain, il est balèze lui. Trouve-moi le corps. Prends ça. Hé Jaco, c'est toi le plus vieux, alors dis-nous. C'était quoi cette quête? Papa dit quelque chose que maman veut. Qu'est-ce que c'était quoi ça? Les bandits. Ah, un bon bruit. Ah, une nouvelle quête, d'accord. Ok. Masse. Des sous. Alors, on va aller voir Jaskier. Oh, oui, il y a des gosses, ouais. Il y a des corps partout, ouais. Ça m'a débloqué en fait le fait de pouvoir aller. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ouais, Jaskier, ouais. J'ai retrouvé Jaskier, ouais. Faire pas encore. En fait, là, il y avait sa copine qui. Je vais pas te spoiler le jeu. Et on était à la poursuite d'un tueur. Comme je sais que tu le fais aussi. Que puis-je faire pour vous? Il pleut à chaud. Ouais, parce que Jaskier, tu le retrouves pas direct. Il y a plusieurs quêtes. Informer Jaskier. Ça serait au sous-sol. Voilà, ouais, c'est un hôpital. Ça serait plus bas, je comprends pas là, le truc. Ouais. Ah, c'est ici. Allez, Jaskier. Comment va Priscilla? Mieux, n'est-ce pas? As-tu réglé ce que je t'avais demandé? Oui, à la manière des sorceleurs. Merci, Gérald. En mon nom et au nom de Priscilla. J'ai fait ma part. À ton tour maintenant. Prends soin d'elle. Une perruque blanche, ouais. Tu verras, elle sera mieux traitée qu'auprès des dryades de Brotulot. C'est pas bête, ça. Elle retrouve la voix. Agréable surprise. N'est-ce pas? D'après le professeur Von Gratz, ses blessures guérissent plus vite que celles d'un troll. Comparaison peu flatteuse, mais encourageante.
Elle pourrait même rechanter un jour. Elle tape dans l'œil, ouais. Pour l'heure, nous allons former un duo. Elle jouera du luth, je chanterai. Jasquier et Kelonetta. Ça sonne bien, non? Très bien, même. Bonne chance, Jasquier. À la ville comme à la scène. Ah, on a résolu. Elle était longue, quand même. Elle était longue, cette quête. Elle nous a pris du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à se mettre sous la dent, là ? Une petite quête de monstre. Alors, ça, c'est quête principale, cap sur Skellige. Ça, c'est une batte. Ça, c'est pour devenir champion de Novigrad. On a bien avancé. Je voulais faire un contrat de sorceleur. Ah, le fantôme de la route commerciale. Ça peut être bien, ça. Niveau 23. C'est... Par contre, c'est très, très loin. Hé, toi. Alors. Ah, j'ai eu 100 cadeaux. C'est pourri. Mais j'ai plus tapé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'avais l'épée. Je me battais avec l'épée émoussée depuis tout à l'heure. Tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. J'avais pas fait gaffe qu'en fait, il m'avait j'avais des pieds pourries. Ok, bon, mais d'accord. Je hais les vendus. On va essayer de trouver un panneau et faire cette petite chasse aux fantômes. On est quel level là? À bientôt niveau 20. On n'est pas prêt à faire l'extension, hein. Bon, déjà il faut faire l'histoire principale. Bon, ben nous on va faire. Je fais cette quête et puis. What time is it now, ouais. Minuit, ouais. Ouais, une chasse au monstre, et puis voilà. Non. Ouais, j'avais profité d'être là pour. Comme t'étais là. Ça t'était tombé, on était au bon endroit. Alors. Un petit voyage rapide. Ça nous amène où, ça? Cette chasse. Oula, il y a un monstre, là. Ouh, des petits trucs sympas à faire. Ouh, il y a un petit. Ouais. Profiter pour nettoyer un peu. Ben, j'étais au bon endroit et quand j'ai vu que t'étais là, oui. Alors. Je crois qu'il y a. Il y a un nid de monstres. Qui est ici un truc déjà. On va aller voir. Hop là. Bon, après les. Après les scènes dans The Witcher, il y a c'est un peu chaud. Oulé, oulé, mais c'est pas non plus. Alors. Ici, des noyeurs, des Necker. C'est les Necker, ça, non? Bah, niveau 8. Niveau 8. Petit Necker. On va vider ça.
me détruire lui parce que... Hop là. J'ai rêvé la famille là. C'est des combos, ça peut servir. Ok, après j'avais vu quoi. Ah, il y a une quête ici. Oh punaise. Il y a une quête qui s'enclenchait. Qu'est-ce qui se passe? Vous cherchez des ghouls? Pourquoi ça? Je veux crever. Ouf. Voilà pourquoi. Ça fait des jours que je souffle au martyr. Et je meurs pas. J'ai toujours eu une santé de fer. On se connaît, non? Oui, vous m'avez sorti de dessous un tas de cadavres l'autre fois. Vous croyez que la peste pouvait rien me faire? Quel couillon! Écoutez, je crois que je vais encore avoir besoin de votre aide. Prenez votre épée, là, et achevez-moi. Bah, on fait quoi? On l'achève ou pas? Le tue. T'imagines s'il faut tuer tous les gens qui ont de l'acné? Ouais. Allez. Repose en paix, mon brave. Vous êtes sûr? Oui. Je vous en supplie. Soyez bref. Et ensuite, brûlez mon corps. Entendu. Merci. Prenez ça. J'avais mis quelques sous de côté pour mes mioches, mais ils n'en ont plus besoin maintenant. Un point d'expérience. Un coffre, non? Intéressant, c'est... Oh non. Bon. C'était pas folichon, là. Ah, il y a un nid de monstres encore. On va faire celui-là. On est pas trop mal, là. Ouais, on va faire celui-là. Et après, on va filer vers la quête. Parce qu'on a un gros monstre à tuer. Un fantôme. Je sais pas encore. Ouais. Oh, ouais. Il y a du monde. Je suis planté. C'est con. Il glit. Olé. Une tête qui roule. Yes. Pour la nouvelle, je pense. Un coup d'argent. Ouais, ok. Alors, le mot... L'enquête là. Cette enquête.
clôturer la soirée. C'était sympa encore, hein. The Witcher, c'est vraiment, c'est toujours sympa. Que s'est-il passé? Inspecter le chariot. Ah, ah, ah. La ficelle. Bon, la ficelle, on a eu droit aujourd'hui. Déjà ce soir. Alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelqu'un a été attaché ici. On a coupé les liens avec une lame émoussée. Des pas. Quelqu'un a couru. Vite. En panique. Les empreintes sont profondes. Et elles s'arrêtent brusquement. Quelqu'un a marché dans le vent. Il doit y avoir autre chose comme piste. Si, je vois ici. Bon. Des marques de griffes. Mmh. Une bête volante qui a fondu sur sa proie. D'après les griffures, je dirais Wyvern ou Fouenard. Le fût de vin est fracassé. Mais les gens ont visiblement réussi à fuir. La crue de Kedwen, tenace comme odeur. Alors, la piste olfactive. Yes. Ok. Ça sert toujours les plantes. Oula, ça remue là. C'est du loup. Ouais, je pense que c'est du loup. Ok, une grotte ou quoi? Les traces conduisent à la caverne. Ouh. Ouais, ça me dit, ouais, on change d'heure. Donc du coup, bon, ça change pas trop. Ça sera FF. Celui-là n'a pas eu le temps d'atteindre la caverne. Il n'y a plus de tête. C'est pas un fantôme, hein. C'est pas un fantôme. Ah si, ils ont survécu. Vos yeux, ils brillent dans le noir. J'écoute ce que les lézards qui revenaient. La chose qui a attaqué, quelle taille faisait-elle? Ben, elle était bien trop grosse pour entrer là-dedans. C'est vrai. Elle était énorme. Et c'est gros. On a eu chaud. Me demande si la bête a tué les marchands. L'aurait pas volé, ces salauds-là. L'important maintenant, c'est de se tirer d'ici. Vous allez nous aider, sorceleur. Quel d'entre vous est au mille? Lequel d'entre vous est au mille? C'est l'autre gars dehors. Le monstre l'a eu. Mais comment vous savez? C'est son frère qui m'a demandé de vous trouver. Mais c'est d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, des marchands nous embauchent pour les protéger le long de la grande route, qu'ils disent. Et là, zop, ils nous ficellent comme des rôtis. Pourquoi? Ils ont bien voulu nous expliquer dans le détail que notre sacrifice était nécessaire à la bonne marche des affaires. Là-dessus, ils nous abandonnent, ficelés au chariot, pour appâter la bête. Et voilà qu'arrive un énorme lézard, comme si son maître l'avait sifflé. Les monstres ont bien compris que des convois de ravitaillement militaire empruntent cette route. Ouais, un finos lézard. Il nous coupe la route aussi sec. Si bien... qu'on s'est tout juste planqué là. Mais le pauvre Tomil s'en est pas sorti. Allez, on va aller voir ce que c'est. Je vais m'occuper de ce monstre. Il ne doit pas être bien loin. Les Wyvern aiment attirer les proies près de leur nid. On attend ici. On voudrait surtout pas vous gêner. Wyvern royal. Je suis verni. Ouh, Wyvern royal. Il n'y a pas quelque chose là. Champi. Il n'y a pas de coffre. Oh, il y a des cadavres partout. Fleurs séchées. C'est un carnage. Il n'y a pas
pas de... On sait jamais. Peut-être qu'il y a du... Un coffre qui traîne. Tiens, il y a rien, quoi. Mmh. Ah, il s'accroche. Allez, Gérald. Et lourd de l'armure. Oula, là on y est. Non mais... Là on ressort et là on replonge. Okay. Trouver le nid de la viverne. Je sais pas où aller. Ouh, c'est quoi cet endroit? Ouh, joli là. Ouais, c'est ce que je voulais faire, mais... Ouh, joli. Une pierre, ça va être beaucoup plus efficace. Oh, c'était pas mal cette histoire. Hein. Ouais, parce que pour y aller en plus, il n'y a pas 36 000 chemins. Hein. Ouais, c'est un hôtel de... Ah ouais, non. C'est quoi cette divinité là? D'accord. Il est où ce nid là? Ouais, les trucs ici. Pipe. Et sans moi. Ouais, bon, du bouquin. Champignon, d'accord. J'arrive à trouver son nid, quoi. Est-ce qu'il va être... J'ai même peur de ressortir. Oh putain, il est là. Oh, il est là. Oh, ils sont deux. Attention quand même, ça pique. Ouais, plus cher. Ces bêtes-là qui ont attaqué ces gens. Une wyverne royale doit se terrer dans les parages. Je dois détruire le nid pour qu'il ne se reproduise pas. Mmh. Un nid de draconide, je devrais le détruire. Ok, ok. Il y en a un deuxième. Un nid de draconide, je devrais le détruire. C'est même pas ce qu'on cherche, hein. C'est... C'est pas...
pas le gros. À mon avis, il est encore plus gros, c'est un royal. Là, c'est un gros. Vigiane royal. Oh putain. Ça brûle aussi. Et bien en plus. Oh la vache, ce qu'il prend. Pas sur le coup. Prends cher. Hein. Ah, ça brûle un peu, mais pas. Costaud. Ici. Et ici, petit. Ah, il crame plus. Et je te charge. Il crame à. Ça n'a pas pris au feu. Il est tombé. Il crame ou pas? Pas trop. Il est long à recharger. Oh non, non. Oh, je suis mort. Je suis tombé de la falaise. Mais non. Il était facile, celui-là. Enfin, il était facile, c'était bien parti. Je me suis petit suicidé. Oh, je dois me retaper le combat. Oh, j'hallucine. Oh bah ouais. Bravo. Bravo. Crache un truc là, c'est quoi ce bordel? Tiens. Un moins. Ah, il fait mal, ouais. Ah, il fait mal, ouais. J'ai bien fait de ça. Ah, j'ai volé. Ces bêtes-là qui ont attaqué ces gens. Une wyverne royale doit se terrer dans les parages. Je dois détruire le nid pour qu'ils ne se reproduisent pas. À moins de pas faire la même connerie que tout à l'heure. Un nid de draconides, je devrais le détruire. Mais va-t'en, ça va péter. Ok. C'est là où il arrive. Faut que je fasse gaffe. On va se montrer dans le vide. Hein. On va se le gérer.
couché. Pas génial ça. On n'a pas pris feu. Ça semble temps. Bah oui. Touché. Mais non, couche. Yes. Ah, tu vois. Quel bestiau. C'est quoi son nom déjà? Wyvern Royal. On en voit rarement d'aussi grosse. Elle a dû se gaver aussi. À attaquer tous ces voyageurs sur la route. Comment qu'on vous appelle, monsieur? Geralt de Rive. Geralt de Rive. Ça me fera une chouette histoire à raconter au Ptio. Alors, prélever. Ah, il fait peur. Hein. Il fait peur. C'est Godefroy le Hardy. Belle. Ok. Je t'ai venu ici. Ah, pour retrouver la sortie là. Ici. Ah, il faut que je récupère votre récompense. Ok. C'est pas trop trop loin. Alors. Personnage. J'ai deux points. J'ai pas débloqué d'autres emplacements. Bon, on les garde pour débloquer d'autres emplacements. Niveau 20. Allez, plus que 14 niveaux pour faire l'extension. Alors, de toute façon, je le ferai après avoir fini la quête principale parce que c'est ça. Les extensions sont bien parce que quand on a lu les bouquins, c'est sympa de. C'est un petit clin d'œil à Toussaint par exemple. C'est bien évoqué dans les bouquins. Un warg. Rue Exuria. Ah, il y a un panneau. Ça, c'est top. Top moumoute, ça. Parce que je vais pouvoir aller réparer. Lui. Ouais. Bonjour. J'ai retrouvé vos amis. Ouais, j'aurais causé. C'est bien triste pour Tomil. Tenez, c'est pour vous. C'est pas lourd, mais ça vient du cœur. D'accord. Merci. Au revoir. Bon, ça fait un peu d'XP. Alors, est-ce qu'on a une autre petite chasse? On a encore du temps. Journal. Alors, quête secondaire. On a à Novigrad des portes qui claquent. Un manoir hanté. Manoir hanté. Je vais d'abord aller réparer tout ça. Où est-ce que j'ai un... Quête ici.
Très sauvegardé. On va aller à Aubreuil, comme ça on va essayer de prendre une quête en plus, une quête secondaire. À 21h, je doute que je... il y a des quêtes ici. Sale voleur. Touche à mes œufs. Ok. Ok. Quand on a pris le crépuscule. D'accord. Ne mangez pas le chat. Ouais, non. Appel à Messire Gérald. Ah, un monstre terrible est apparu dans le duché de Toussaint. Ah oui, Anna Henrietta, c'est celle qui sortira avec Jaski après. Ça y est, dans les livres. C'est rouge. C'est rouge, c'est pas pour tout de suite. Hein. Attends un peu. Hein. Ah, forcément, je sais pas le. Pourquoi j'ai cette quête, n'importe quoi. Il est là le. C'est lui là. Alors, on va méditer. Ça sera plus pratique. Méditer jusqu'à 10, 11h. Ouais. Ça, on va réparer. $59,90. Ouais. J'ai un peu plus de poids dans. Il faut que je vide tout ça aussi. Elle est là. Alors, déjà, je peux. Hop, mes armes. On m'a pas dit que vous avez tué la bête qui mangeait les gens. Ouais, c'est vrai. Vous regardez quoi ? Jean Gabriel, méfiez-vous des ruelles. Armement automatique, tenu à une main. Tirez le premier pour avoir le dernier mot. Alors, dites-moi ce que vous avez. Voyons ce que vous avez en magasin. Déjà, je peux vendre. Hein. Ça me sert pas à grand-chose. Hein, alors. Ouais, épée émoussée, objet ordinaire, ciao. Épée langue de Novigrad. Ça, c'est des reliques à poser. Épée en argent, ok. J'ai pas d'autre chose à lui vendre, lui. Oh putain, il ne m'achète rien. 56,90. Qu'est-ce qu'il vend lui, voyons. Des plans, il a pas de carte. Artisanat, réparé. Voilà. Adieu. Ok. Alors. Il était où mon panneau ? Ici. Et donc je voulais aller voir la maison hantée. La maison hantée. Non, celle-là. Comme ça, on est directement à Novigrad et on peut poser tout au coffre. Une fois fini. Réparer maison hantée
On est pas loin là. Hop les. Ils ont craqué eux, hein. Complet hein. C'est plus haut. Qui c'est qui veut m'embaucher là? Il est ici. Ah c'est lui. Oui. Comte Courtizard. Vous venez pour le contrat. Vous avez besoin d'un sorceleur, non? Un sorceleur, oui. Pas un vagabond. Les illuminés de l'école du chat ont mauvaise réputation. À quelle école appartenez-vous? École du loup, bien sûr. L'école du loup. Excellent. Excellent. J'ai connu un sorceleur de cette école autrefois. Non, mais son nom commençait par un B. Peu importe, venons-en au fait. Je viens d'acheter un domaine à l'est de Novigrad pour une bouchée de pain. Son ancien propriétaire souhaitant s'en débarrasser rapidement. Entre-temps, j'ai appris que la bâtisse était hantée. Ça explique l'empressement du vendeur. Autant vous le dire, je ne crois pas aux fantômes. Mais les hommes disent que la maison tremble la nuit, que les murs s'effritent, que le plancher se soulève. Peut-on faire quelque chose pour y remédier? Ouais, on va aller voir ça. D'accord. Je vais aller jeter un œil. Où est votre domaine? La propriété est bordée d'un verger. Vous reconnaîtrez la maison facilement. Ses murs sont complètement lézardés. Tenez, voici la clé. Bonne chance. Alors, des portes qui claquent. Qu'est-ce qu'on va se trouver là? Hop. Ouh, c'est loin ça. Mais je pense qu'on va se regarder pour dimanche prochain parce que c'est loin et je pense que ça va prendre du temps. Alors, map. On va se marquer le coffre. Ici. J'ai deux armes à poser. Ou les pots en tout cas. Parce que je voulais faire le petit trailer pour le jeu de demain soir. La vache, t'as ses yeux. Mais il y a que des coups sanglés, ils ont peur de quoi là? Ok, on est arrivé. Plus jasquier, il faut que j'aille au coffre. Alors j'ai des pots, c'est ça qui doit m'alourdir. À bouffer, j'ai un stock. Alors les pots, ça dégage. Ça pèse à la mort. 55. J'ai que ça, qu'est-ce que j'ai ramassé là? À tout souper. Les sous aussi ça pèse non? Non, très peu. Du compo? Le compo ça pèse rien normalement. Qu'est-ce que j'ai qui plombe comme ça? La bouffe peut-être? Ah non, ça pèse pas. Ah ça, ça pèse par contre. Celle de maître, 35 de vigueur. Bon,
C'est quoi ça? 5% de bonus d'expérience en tuant les humains. C'est la même chose, ça. C'est tous différents, le truc. Si j'en ai en double, mais c'est pas tout à fait les mêmes. La selle aussi, ça pèse. Ah ouais, ça qui pesait. Bon, on est bien. C'est plus gay que d'habitude, hein. Bien ça changer ici. Voilà, un petit save. Parti sauvegarder. Je vais voir s'il est vraiment. Je vérifie toujours. Ouais, parfait. Une heure. Ils sont au fond. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a réussi comme. Si on a réussi des. 48 heures de jeu. Est-ce qu'on a fait des succès? Je crois pas. Pas ce soir en tout cas. On va attendre la synchronisation. Il y a eu du temps, hein. On va laisser synchroniser, on va essayer de se trouver la bonne annonce pour le jeu de demain. Hop là. Alors est-ce que je l'ai ouvert? C'est pas dit. Ouais. Bon, le lundi, là, on est parti sur du narratif en général. Sur des histoires à la Heavy Rain et compagnie. Est-ce que je peux avoir Steam? Est-ce que Steam va arriver? Ça y est. Alors, est-ce qu'il est sur... Est-ce qu'il est sur Steam, ce jeu? Ouais, il y est. Donc, demain, on se fait celui-là. Ah, il est synchronisé The Witcher. The Witcher est synchronisé. On n'a pas eu de succès. 48 heures de jeu. Ok. Alors, le jeu de demain. Le jeu de demain, c'est celui-là. On va voir ce que ça donne. Get him inside, out of sight. Are you a human being, like me? Come a little closer. Bon, je pense que ça sera traduit en français, hein. Au moins le texte. I just want my body back. So I feel like I haven't properly explained this. Are you okay traveling to the other side of the galaxy? I read the brief. We're making history here, Mina. Resources, technology, culture. This is the next frontier. I'm counting on you, Mina. All right. I'll get the job done. Dad! This is not your fault. If it's anyone's, it's mine. I think I've made a terrible mistake. If you want my help, you only have to ask. I gave up everything! Come on, Hughes, this is it. Don't you want to know what's on the other side? J'ai vu les critiques. Les critiques sont, voyons, si on regarde bien, plutôt positives. Plutôt positives. Ouais, 20,99€. Ben en fait, ils disent que c'est... Tu joues 3...
Tu joues trois points de vue en fait. Voilà, t'incarnes trois personnages uniques, tu fais des choix pour façonner leur conversation, entrer dans leur vie, découvrir vous mènera chacune de leur histoire personnelle. Et quand on regarde les avis, Ah, il y a peu d'action. Trois histoires radicalement différentes. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être du narratif. Ouais, après, c'est... Oui, il va y avoir un scénario, je pensais. Ça va être assez... Ouais. Mais ça fait un petit moment que je voulais le faire. Je voulais tester. On va voir si on accroche à l'histoire ou pas. On va voir. Vous me direz demain si on continue, parce que je crois qu'il fait 6 heures de temps, il dure. Donc on verra si ça nous botte ou pas. Badi nous lancera un petit sondage. Et puis on comme ça. Jusqu'à présent, les jeux narratifs, on est tombé sur du pas mal. Donc on croise les doigts. Mais ça... C'est pas la mal, il est sur le Game Pass. Enfin, j'avais une clé. J'ai une clé, mais il est sur le Game Pass. Donc bon, vu que les clés sont figées au jour 1 de sortie, donc s'il y a eu des mises à jour, ils vont les prendre sur le Game Pass. Et voilà, donc demain, la stop. On verra ce que ça vaut. On va voir tout ça. Et demain, la semaine recommence. Bientôt les vacances. Ça va pas faire de mal. Allez. Eh bien, qu'est-ce qui nous restait? Voyons. Mon petit bad, passe une bonne nuit. Repose-toi bien. Dido, mais content de te revoir. Hein. Un seul morceau. J'espère que Francis va bien aussi. Le rescateur a dû être content de vous revoir. Donc on est content de récupérer Dido. Hein. C'est vrai que on y pensait. Diablo, en sous-marin, bonne nuit à toi aussi. Exuria, et bien à très vite. Hein. Merci pour le double sub ce soir. Et puis voilà, de tout ce que je connais, qui se sont présentés, les habitués. Eh ben ouais, ouais. On a pensé à toi, mais j'y pensais, je me suis dit, en plus j'y pensais tout à l'heure, je me suis dit, pour le dimanche, je sens que ça va être pour ce soir le retour. Passez une bonne nuit, et on se voit demain pour le last stop. On va voir ce que ça donne. À demain. Bonne nuit.